Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'astuces. Donc c'est l'astuce numéro 3 aujourd'hui. L'astuce numéro 3 sert à supprimer les cookies flash. Non, pas les cookies mangés. J'ai pas soif. Non, pas les cookies. Les cookies sont tellement bons à savourer. Non, moi je vous parle des cookies donc sur l'ordinateur. Qui bouffe votre ordinateur, qui l'assomme en fait. Donc ces cookies là qui servent strictement à rien et qui ne se suppriment jamais. Donc ce que je dis, quand se supprime jamais, ça veut dire qu'ils se suppriment jamais, ils donnent fou rien avec. Ces cookies là se créent grâce à des sites web. Quand vous allez sur des sites web, il y a des cookies qui se créent. Et quand vous jouez à des jeux web, donc des jeux flash, il y a des cookies flash qui se créent sur votre ordinateur. Alors ces cookies là ne servent strictement à rien. Si vous jouez à des jeux flash et qu'il y a des niveaux dedans, les cookies flash ne suppriment pas vos niveaux. Hein. C'est juste que les cookies flash enregistrent un peu dans quel navigateur et tout. Vous inquiétez pas. Donc ces cookies là sont très faciles à supprimer. Cette méthode là est pas très bien utilisée par certaines personnes et ils savent pas encore utiliser que ça. Donc on va taper pas flash mais pourcentage app data. Pourcentage. Et non, c'est pas encore terminé. J'ai mis un S au lieu d'un D. Voilà. Donc vous aurez que roaming. Mais moi je l'avais déjà fait, donc j'ai déjà le dossier qui est mis. Je vais le taper entièrement, comme ça vous le verrez. Si vous voulez, je mets dans la barre dans la vidéo. Donc AppData, pourcentage AppData, pourcentage la barre hop vous mettez le slash là. Donc mettez-le du bon côté, du bon sens. Macromédia flash player. Encore et après normalement vous mettez le petit insigne, faut que je le trouve, ah, il est là, voilà, charid object, voilà, vous tapez ce que je viens de taper tout en bas et vous aurez un petit dossier comme ça. Normalement, dans vous aurez qu'un dossier et vous aurez peut-être un ou plusieurs dossiers dedans. Donc tout ce qui est dedans, tout ce qui est présent dans le petit dossier que vous aurez entré là, tout ce qui est là, vous supprimez. Ça ne sert strictement à rien. N'ayez pas peur, ça fera jamais mal à votre ordinateur. C'est juste pour supprimer les cookies flash. Voilà. On supprime. Et puis voilà. À chaque fois que vous jouez à des jeux flash, n'oubliez pas de faire ça souvent. Si vous ne jouez jamais à des jeux flash, ça va se créer rarement, ces trucs-là. Ils vont se créer rarement. Donc faites-le souvent et regardez souvent ce que vous faites. Donc voilà. Voilà pour l'astuce numéro 3. J'espère vous avoir aidé et de vous avoir appris une nouvelle chose sur l'informatique. Donc j'espère que vous la partagerez, que vous abonnerez à ma vidéo, likez cette vidéo et si vous aimez, partagez-la. Un petit pouce vert, ça m'aidera. N'oubliez pas de faire ça aussi pour les autres astuces si elles vous aiment. Donc voilà. À très bientôt. Ciao ciao à tous. Ciao.